Hey, salut les gens, salut tout le monde, c'est l'Octet Tout. Comment allez-vous? Moi, Amdoulila. Ouais, on va directement déconner. Là, lors de ce début de vidéo, faut qu'on rigole. Parce que c'est très grave ce qui est en train de se passer avec Call of Duty Black Ops 4. Avec une dernière news qui est sortie très très récemment. Donc, Amdoulila, Starfoulila, ouais, je vais vous choquer l'esprit en parlant l'arabe, tout ce que tu veux. J'ai parlé le chinois durant cette vidéo. Non, sérieusement, il y a beaucoup de choses aujourd'hui à parler. Et ce ne sont pas des très très bonnes nouvelles concernant Call of Duty Black Ops 4. Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, bah tu connais les bails. N'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau, d'activer les notifications pour rater aucune des prochaines vidéos. Et surtout, n'hésite pas à lâcher ce petit pouce bleu pour le commentary, pour les news que je vais vous présenter. Je vais pas, ne commencez pas à liker pour les news, hein, parce que sinon, je serai pas dans la merde. Là, je crois que je vais me taper beaucoup plus de dislikes que prévu. Non, parce que non, c'est quand même chaud, les potes. C'est quand même chaud. Bon, je ne sais pas par quoi attaquer, en fait. C'est très compliqué. Niveau gameplay, bah, je vais vous mettre un petit gameplay à la Chris Gunn en domination. Mais je sais pas par quoi attaquer. Je ne sais absolument pas. Parce qu'il y a tellement de choses à attaquer dans cette vidéo-là que j'ai peut-être commencé par le truc qui va vous énerver tout autant que moi et que vous allez trouver incompréhensible. Donc, il y a un mec qui a lâché une news très récemment, qui est un journaliste qui est indépendant, etc., qui a pu voir quelques images de Call of Duty Black Ops 4 du multijoueur, je parle bien du multijoueur, étant donné que hier j'ai fait la vidéo et il semblerait que la campagne ne va pas sortir. Donc, il a bel et bien confirmé le Battle Royale. Donc, bon, ça, c'est, il n'y a pas quelque chose de nouveau, je vous ai déjà expliqué qu'il y aurait une Battle Royale, etc., etc. Mais, et c'est là où ça va être très dangereux, le multi de Call of Duty Black Ops 4 ressemblerait à celui d'Overwatch. What the fuck, bro? What the fuck? C'est un cauchemar, ma parole. Dis-moi que c'est pas vrai. Et le mec, il tient, hein, il a des sources fiables, etc. C'est pas un mec qui balance des informations comme ça sur le Twitter, donc le mec, tu le prends au sérieux, quoi. C'est pas comme si, je sais pas... Je sais pas, c'est un mec qui vient de nulle part de l'autre côté de la planète et puis te dit et je crois qu'il y a des nouvelles armes qui vont sortir sur MW3. T'as fait bon, et va te faire foutre toi. Enfin bref, là-dessus c'est que surtout tu dis mais what the fuck, BO4 en multi Overwatch, ça veut dire que le système en fait ressemblerait énormément à celui d'Overwatch. Là tu fais mais non c'est pas possible, dis-moi que je rêve. C'est vraiment ça, hein, que tu te poses comme question, tu te dis mais putain je dois rêver, c'est pas possible ma parole, parce que c'est un truc qui va nous rendre dingue. T'imagines Call of Duty avec un système d'Overwatch, ça veut dire que tu utiliserais plein de spécialistes, enfin au lieu d'être limité comme on est sur World War 2, on serait bon limité toujours, mais beaucoup moins. Mais ça serait bullshit. Ça serait bullshit, t'imagines? Pour ceux qui ont joué à Overwatch, qui savent comment ça marche, c'est du 5 contre 5. Je peux vous dire déjà que c'est un bordel, hein. C'est déjà un bordel, donc... Jouer comme ça... Ah, ça fait peur. Ça fait extrêmement peur, de nouveau. Je me demande qu'est-ce que fout Activision, parce que... Donc le BR est confirmé, le mode de jeu de Call of Duty Black Ops 4 ressemblerait énormément à celui d'Overwatch. Et attendez, c'est pas encore fini, oui, c'est pas encore fini les potes. Ah non, parce que si ça serait que ça encore, ça serait drôle. Il semblerait que le jeu soit moitié moderne, moitié futuriste. Ça veut dire que le jeu ressemblerait un peu... aurait des mouvements avancés comme des jetpacks. Alors de nouveau, il n'y a pas assez d'informations là-dessus parce qu'on n'a pas de gameplay, on n'a rien du tout. Le mec qui a sorti ça Charlie Intel a sorti cette information-là et Charlie Intel avait une autre source d'information qui confirme exactement celle-ci. Donc ça commence à faire beaucoup pour une simple rumeur et ça commence petit à petit à foutre les jetons. Parce que Call of Duty, voilà, on a eu World War 2. World War 2 fait un peu peur. A été quand même hypé, etc. Mais il nous a quand même fait peur.
Maintenant, on nous dit qu'il y aura une Battle Royale sur BO4. Ça, je pense que c'est plutôt une bonne idée parce que ça peut rapporter des gens de Battle Royale sur Call of Duty et éventuellement tester le multi de Call of Duty et aimer. Donc pour moi, j'ai toujours dit que c'était plutôt un bon point. Mais qu'on te dise que le multi de BO4 serait celui équivalent à celui d'Overwatch? Et je suis désolé, vous avez fumé quoi chez Activision? Parce que là, ça doit être de la bonne, hein, directement dans le sang, cocaïne, tout ce qu'il faut, là, vous êtes passé partout, hein, parce que... Non, mais franchement, là, qu'est-ce que vous avez fumé? Vous avez fumé quoi chez Activision? C'est chez Treyarch ou chez Activision? Non, parce que... Ouf, on n'aura pas de mode campagne? On aura un Battle Royale? Un multi en mode W? C'est quoi la prochaine étape? On a des vaisseaux spatiaux? On va refaire une Infinite Warfare? Vous avez toujours pas compris la leçon, Call of Duty? Ou... Ah, faut quand même se poser la question, est-ce qu'ils comprennent la leçon ou ils ne la comprennent toujours pas, la leçon? Alors, d'un côté, il y en a certains qui pourraient dire, ouais, mais Octet, tu critiques, on n'a même pas eu encore des images de gameplay, etc. Oui, bien évidemment. Mais lorsqu'on parle de Call of Duty, moi, je veux un gameplay Call of Duty. Je veux pas un gameplay qui se rapproche d'un autre jeu auquel j'ai pas forcément apprécié. Je veux dire Overwatch... je m'en bats les couilles d'Overwatch, c'est vraiment un jeu qui m'intéresse tellement pas, parce que ça m'attire pas, c'est tout, je dis pas que le jeu est pas bien, c'est juste qu'il m'attire pas. Et se dire, mais putain, les sources qui te disent que ça ressemble énormément à du Overwatch et puis à du Lawbreaker, t'es là, tu te dis, mais non, gros, c'est pas possible, et écoute ta communauté, arrête de faire des conneries. Tu nous fais une suite BO2, tu l'appelles Call of Duty Black Ops 4, mais en réalité c'est Black Ops 2.5. Tu dis ok, c'est let's go, on est partant. Pour MW3, bah, c'est la même chose. Pour MW4, tu fais la même chose, tu fais la suite de MW3. D'ailleurs, qui se confirme, hein, donc de nouveau les news que j'avais, etc. Il semblerait que le prochain Call of Duty d'Infinity War serait bel et bien Modern Warfare 4, hein, donc... Là-dessus, au moins on évoque. Donc là-dessus, au moins, j'étais pas trop bête au cas où je vous en ferai une vidéo dédiée là-dessus. Et c'est pas trop long. Mais je sais pas, qu'est-ce qu'Activision fume en ce moment? Parce que la communauté réclame ça? Non, je crois que Michael Condry doit être derrière tout ça. Non, je troll, bien évidemment, je rigole de cette situation, parce que, au finalement, Michael Condry, depuis qu'il s'est barré de World War 2, World War 2 n'a jamais été aussi bien, donc depuis qu'il est chez Activision, on voit des conneries avec Treyarch, on est là, ouh putain, et les mecs, tranquille, et ne nous faites pas peur, s'il vous plaît, ne nous faites pas peur, et là, depuis que Michael Condry est chez Activision, on voit des dingueries chaque jour, hein, donc je sais pas quel poste il a réussi à obtenir chez Activision, mais ça fout les jetons. Non, mais plus sérieusement, ça fait extrêmement peur. Ça fait extrêmement peur, et on arrive au sujet de la vidéo. Est-ce qu'on arrive à la fin de Call of Duty? Si c'est le cas, si, supposons que ça soit le cas, que ces rumeurs, et que, même si elles ont été un peu, comment dire, pas confirmées, mais... Si on doit mettre un pourcentage de nouveau de certitude, on arrive sur du 80%, donc 80% c'est déjà pas mal, hein, 80%, moi pour 80%, une information, c'est pas que j'y crois absolument, mais c'est que je vais quand même m'y intéresser, quoi, c'est une information à prendre au sérieux. Est-ce que on arrive à la fin de Call of Duty? C'est la grande question aujourd'hui que je me suis posée en sortant de mon lit. Premier jour sans en arrêtant de fumer, oui, parce que j'arrête de fumer. Donc premier jour où j'arrête de fumer, je me pose cette question, j'apprends cette news et je dis, est-ce que ça va être délibérément la première fois où Call of Duty va être vraiment dans la merde? Parce que là, bien sûr qu'ils sont déjà dans la merde, mais là ils vont être encore deux fois plus dans la merde pour nous dire que un gameplay va ressembler plus à celui d'Overwatch. Ça fait peur, je suis désolé de le dire, ça fait peur. Donc, à quoi on doit s'attendre? Ça, de nouveau, c'est une très très grande question. Aucune nouvelle là-dessus. Et est-ce que pour vous, ça va être la fin de Call of Duty? Si ça arrive, le côté Overwatch multiplayer Call of Duty Black Ops 4. Est-ce que si cela arrive, selon vous, ça sera la fin de Call of Duty ou pas? Selon vous, de nouveau, c'est votre avis, etc. C'est vrai que même s'il y a ce côté Battle Royale, pour moi, je le dirais toujours, les gens, s'ils veulent un vrai Battle Royale, ils iront sur Fortnite, parce que Fortnite, primo, c'est gratuit. Ils vont pas acheter un jeu pour jouer à une Battle Royale. Autant aller sur Fortnite et faire tout ce qu'il faut.
Si on joue à Call of Duty, on achète Call of Duty, c'est surtout pour son multiplayer, pour son agressivité et pour son unique, parce que c'est vrai que c'est un gameplay unique, Call of Duty là-dessus, de gameplay agressif, arcade, auquel on peut s'amuser, on peut faire des choses que dans la guerre on ne peut pas faire normalement. Voilà, c'est des choses qui font plaisir. Et je trouve ça dommage qu'au fur et à mesure du temps, plus on avance et plus le gameplay se détériore. Depuis BO2, il y avait BO2, après on a eu Ghost, le gameplay s'est un peu détérioré. On a eu Advanced Warfare qui a, selon moi, il faut quand même dire le gameplay, même si je suis pas trop fan, etc., qui était quand même pas mauvais. Il était pas mauvais, tu vois. Ensuite, on a eu Black Ops 3 qui était bon au niveau du gameplay. Mais pas aussi bon qu'un MW3, qu'un Black Ops 2, qu'un Black Ops 1 ou un autre Call of Duty. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a eu Infinite Warfare qui a eu d'énormes problèmes de gameplay. T'as beau aimer Infinite Warfare derrière cet écran, tu peux pas nier le fait c'est un Call of Duty qui a jamais eu autant de problèmes de hitbox. Je pense que ceux qui ont vu le COD Championship, etc., et qu'on pouvait voir justement des clips qui revenaient sur Twitter. Lequel tu voyais par exemple, c'était sur, je sais plus comment ça s'appelle, c'était la map enneigée. Le mec lui tirait des balles et les balles lui traversaient le corps. Ça ne le tuait pas, ça lui faisait zéro hit marker. Donc t'étais là en mode, ok, c'est un des pires. Et puis World War 2, voilà, qui fait énormément rager sur certains points, etc. Donc Black Ops 4, c'était un peu un moyen de tout relever. Est-ce qu'ils vont le réaliser? Je l'espère. J'aimerais bien avoir votre commentaire dans l'espace de cette vidéo là. Est-ce que vous y croyez encore? Est-ce que vous espérez que ça soit une rumeur concernant le multi de Black Ops 4? Moi je vous dis bye et à la prochaine pour une toute prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.